Claude. Mais alors, mon petit Claude, il est bien petit, en face de la montagne. 8650 ou 55, je sais pas où je me suis arrêté, à vérifier sur l'alté. Et puis j'arrive là, je ne sais pas combien on est. Hein. Combien tu dis, 8000? 8655 ou 60, ou je sais plus. Enfin, wow. J'étais là, je le touchais du doigt, quoi. Soit, c'est une épreuve. Mais elle y est montée, à la hargne, ouais. Elle a mis 6 heures, mais elle est montée jusqu'au col nord. Bravo, Nathan. Elle se cache, tu peux pas la savoir qui c'est, cette Nathalie. C'est pas facile. Hein. Alors, on va faire un petit tour de tente. On est dans une patronesse qui est en promiscuité. Là, voilà, vous la découvrez dans son petit coin caché. Grand sourire. Elle se sent défoncée. Hein. Ouais. Alors, Nathalie, comment tu le trouves, notre petit... Non, le grand Claude. Oh, mais je le trouve, je crois qu'il a... Bon, il est un peu noirci avec le soleil, le froid. Il a buriné. Il a buriné. Et c'est un vrai paysan tibétain maintenant. Moi, je vais suggérer aux jurassiennes de l'appeler le bûcheron de l'Himalaya. Le bûcheron de l'Himalaya. En tout cas, je pense qu'il a été, j'en suis certaine, mais il a été très courageux. Il a beaucoup pris sur lui. Il est allé très très loin, ça se voit. Derrière sa carapace, c'est quelqu'un de très très sensible. Et je dirais que pour moi, c'était un super plaisir d'être avec lui sur cette expérience.